قرنك استقبيليس وين يبغانا ذي زور المقام هذه زوير سقات وخا ثم لات ينسيد البريزيدون السلوي نلساس معتوب السيرم ينايك نبغى نخدم لا كوبول دو 5 جوي خاطر تمثل تلقي لا كوبول دو 5 جوي ديجا ثلاث تقديم ثا بور لو ديزيام انيفيرسير نموت الوناس نخدم ديجا اون دوموند المينيستر دو لا كولتور دو ليبوك خالد تومي مي Le dossier, il a été mis de côté. Aïgar, Khatar Mawalir, l'œuvre Lounès, sur le plan musical, on va parler de l'artiste et non du militant. On va parler sur le plan artistique. Lounès, c'est un miloman chabi. Il n'y a qu'un kini, sur le roi al-Zahir. Ça a dit, va où? Khadmar l'armoud, dit Mursel l'Okbayil. Il a fait beaucoup d'adaptations de grands chefs-d'œuvre. Chabi, et dernièrement, un grand du chabi qui est Winnet Mohamed Lamraoui. Qui est le compagnon pour Nathan Kamel Saoudi, il vient de faire une adaptation à son tour de Aïnaïn, c'est l'Algérois. Magnifique. À Khatar, la musique, elle n'a pas de frontières. La musique pour voyager, elle n'a pas besoin de visa. Et comme on dit, la musique adoucit les mœurs. Nous, on aimerait bien faire un grand spectacle, comme on sait le faire, à la coupole du 5 juillet. Et comme ça, la première partie, ce serait des artistes venus d'horizons différents, avec des artistes, des jeunes artistes kabyles, qui vont faire un mélange justement de ce qu'il a chanté Matoub, Stroveilis, Nithlin Azderin, Staraf, Akegi, c'est-à-dire c'est un moment de communion. Et la deuxième partie du spectacle, ça serait le zénith de Matoub Lounès. Une partie du zénith. Mais nous voulons, c'est-à-dire offrir, c'est-à-dire trouver des sponsors, trouver le moyen pour que ce spectacle soit gratuit. Aïrar Khatar, les grands événements, les stades, etc., c'était gratuit et on a envie de faire profiter aussi son public, parce que c'est un immense public aussi, dans l'Algérois. Et j'espère qu'il se fera, soit cette année, l'année prochaine, mais l'espoir nous est permis.